Oui, c'est la même compétition, mais pas le même adversaire, avec toujours le même objectif sur un match à élimination directe. Avec un groupe qui évolue toujours, parce qu'en fonction des disponibilités, et puis l'évolution du groupe aussi par rapport aux performances des jeunes. Donc, un nouveau contexte, encore une fois, un match à l'extérieur qu'il fallait bien aborder avec un adversaire d'un meilleur niveau. C'est à chaque fois une remise en question permanente et ce qui est intéressant, c'est que c'est des choses que les jeunes seront amenés à retrouver dans leur parcours. Que reste-vous à vivre le moment ensemble, à aller chercher cette qualif ensemble. Allez, c'est à vous. Allez, les gars. L'entame de match est souvent très important. Ça a été bon puisque ben, Janis marque deux fois rapidement et qu'on mène 2-0 au bout de 15 minutes de jeu. Mais j'oublie pas aussi que notre gardien fait deux arrêts décisifs dans les 20 premières minutes et que ça nous permet de rester aussi de rester devant et c'est un point important. Yes! On prend ça beaucoup à cœur. Et voilà, après, c'est vrai que c'est ma première Coupe Gambardella. Et j'espère aller le plus loin possible avec l'équipe. Mais je pense qu'on peut le faire. Donc Janis c'est un joueur important du groupe, comme le sont d'autres. En tout cas, il a la capacité à se fondre aussi dans le groupe et à rester sur ce qu'il fait bien et ne pas en faire trop par moment. Mais encore une fois, il est mis en avant par rapport à, comme tous les attaquants qui marquent des buts, mais c'est vraiment sur ces deux premiers tours la création d'un groupe nouveau, intergénérationnel, je le dis, puisque l'année dernière c'était 18-19 et les joueurs s'entraînaient tous ensemble. Là, on est sur deux catégories, donc il y a vraiment quelque chose à créer et les garçons se le sont bien approprié. C'est bon ça. On pourrait penser qu'on est séparés dans le sens où par rapport à l'âge, par rapport à la maturité, mais on essaye de vraiment créer un groupe solide. Et nos aînés qui sont venus nous voir hier nous permettent aussi de pouvoir nous recentrer sur le collectif. Parce que comme l'a dit le coach pendant la causerie, c'est avec le collectif qu'on va pouvoir aller plus loin et faire de belles choses. Je pense que c'est une des clés de la réussite d'un groupe, quel que soit le niveau, quelle que soit la catégorie d'âge. Mais voilà, l'investissement des garçons, moi j'attache beaucoup d'importance à ça. Et le club aussi, donc on est satisfait de ce côté-là. Après, on ne tombe pas du tout dans l'euphorie non plus. On a joué deux matchs, il en reste encore un à venir, c'est sûr. Peut-être plus, je l'espère, mais il faut aussi rester mesuré par rapport à ça. Il a triplé! Il a triplé! Il a triplé! Il a triplé! Non!